Bonjour tout le monde, c'est Stéphanie de la chaîne Diamond Steph. J'espère que tout le monde va bien. Moi, je vais super bien. Aujourd'hui, on fait la boîte mystère d'Easy Whim du mois d'octobre. Alors, la voici, la voilà. C'est la boîte Easy Whim de octobre. Elle est en bleu, ça l'a changé. Habituellement, elle était en orange-rouge. Donc, ça ne me déplaît pas. Moi, la couleur bleue, vous le savez, c'est ma couleur préférée. Donc, on l'ouvre tout de suite. J'ai pas changé de catégorie. C'est encore Dragons and Fairies et surprise. Donc, ma petite lettre de départ qu'on va mettre sur le côté. On va mettre l'étoile aussi sur le côté. On va les faire à la toute fin. Les diamants pour l'étoile. Et voilà, on a mis de côté. Donc, vu que j'ai deux toiles, bien évidemment, on a les deux kits normales. Donc, avec la belle pince noire, super rigide, le petit stylet pailleté blanc, la barquette blanche et le pain de colle. Donc, tout ça deux fois. Et voilà. Donc, on va regarder qu'est-ce qu'ils nous ont mis dans la boîte. Je vais tout sortir, puis on va les regarder un à un. Donc, je remarque, ça, je suis très contente. C'est un support à stylet. Quand on a beaucoup de stylets comme moi, puis qu'on ne sait pas du tout où bien les ranger, au lieu de les mettre dans un étui à crayon, puis que tu te demandes, mon Dieu, c'est lequel que j'ai comme stylet à retrouver vite fait, bien fait comme ça. Donc, je trouve que ça, ce petit rangement-là est super bien fait. J'ai aucune idée, par contre, si ça fonctionne super bien. Donc, je vais aller chercher des stylets puis je vais vous montrer la procédure pour les insérer à l'intérieur, voir si ça fonctionne super bien. Donc, ils sont juste à côté de moi, hein, bien sûr. J'ai ma fameuse belle boîte de rangement. Donc, je vais prendre ceux-là qui sont en pâte Fimo. Et je vais en insérer quelques-uns. Bon, je vais enlever l'embout ici parce que l'embout, ça ne rentrera pas. À date, mettons même ceux-là qui ne sont pas... Ah, ben carrément, ça fonctionne super bien. Regardez donc ça. Wow! Puis, est-ce qu'on peut en mettre aussi dans les petits trous comme ça? Ouais! Bon, il y a juste ma Harry Potter qui ne rentrera pas sur le bon bord. Elle va rentrer comme ça. Ah, ben quand même, hein? Regardez ça. Ça rentre quand même bien, puis on peut en rentrer plusieurs. Là, je ne sais pas combien à l'intérieur, mais je vous dirais peut-être une bonne vingtaine, si c'est pas plus. Donc, vraiment, c'est super beau comme compartiment. Puis, je crois aussi qu'on peut, au lieu de mettre genre tes stylets comme ça, comme je viens de le faire, je pense que tu peux ouvrir le compartiment, puis les insérer à l'intérieur. Faire un petit boîtier comme ça. Bon, OK, le couvercle là-dessus, on peut pas, là. Il peut pas se refermer quand on a mis les stylos dedans. Les stylets, pardon. Mais sinon, c'est super le fun de mettre ces stylets dessus. Donc, vraiment, là, c'est chouette comme idée. Je sais pas vous, mais moi, je trouve ça quand même génial de pouvoir mettre ces stylets que... on a à la maison, dans un petit compartiment comme ça. Donc, tu peux mettre sur ton bureau, puis ni vu ni connu, et voilà, tu prends ton stylet que tu veux, puis tu l'enlèves de là. Et voilà, c'est super génial. Je pourrais même mettre toute ma collection, elle rentrerait au complet là-dessus. Donc, vraiment, waouh, je suis très contente, il est super beau. La couleur ancienne de la boîte que d'habitude que j'ai. Une petite rouge. Donc, vraiment, je vais remettre l'embout qui allait sur mon stylet. Et voilà. Donc, je remets ça à sa place. Et voilà. Donc, super génial comme support à stylet. Je suis très contente. On va le laisser ici. Ensuite, on va regarder qu'est-ce que j'ai ici. Ah ah! Ça aurait été le fun que je les ai plus tôt, hein, parce que j'ai quand même eu beaucoup de fêtes, moi, dans le mois d'octobre. Il y avait ma fête, bien sûr, bien évidemment. Il y avait la fête à mon garçon et la fête à ma fille. Donc, on était trois du mois d'octobre.
Puis, on aurait bien aimé avoir ces petits stickers-là de fête. Regardez-moi ça, c'est un beau gâteau. Ensuite, on a un cupcake, comme ça. C'est des petits stickers que tu peux accrocher. Il nous donne une belle corde avec ça. Et voilà. Des belles cordes, deux belles cordes. Ça fait comme une genre de guirlande. Donc, un petit cadeau. Une petite sucette, comme celle-ci. Une deuxième sucette, bien sûr. En avoir juste un, c'est pas assez. Deux, même chose pour les petits bonbons. Et voilà, comme ça. Un beau petit vert et un beau petit bleu mauve. Superbe de superbe. Un chapeau de fête. Wow, ils sont vraiment beaux. Puis, je suis sûre qu'ils collent super bien. On va vérifier à la toute fin. Ça, c'est des ballons style Mickey. J'en ai un. Et j'ai un ballon aussi en version cœur. C'est de toute beauté. On va juste faire attention pour les ouvrir parce que c'est pas rigide. Hein? C'est comme du papier plastique. Là. C'est vraiment du carton. Là. C'est pas super solide. Donc, on va essayer d'en ouvrir un. Hey, j'ai vraiment peur, là. J'ai peur de l'ouvrir et de le maganer. Youf! Oh my God! OK, hey, c'est super fin, là. J'ai vraiment peur. OK, ah, elle est là. Et voilà. Donc, on l'ouvre un peu et... Ah oui, ça colle super bien. Vraiment, là, j'ai rien à dire. Ça va très bien coller avec les petits diamants qu'il nous offre ici. On va les regarder un petit peu. Sont vraiment beaux. En tout cas, dans l'emballage, les regards sont vraiment beaux. Donc, je vais l'ouvrir. J'ai quelques diamants spéciaux et quelques diamants normaux en rond, par exemple. Celui-là, c'est pas en carré. Le petit DIY, il est fait en carré. Donc, je vais tasser la petite corde comme ça. Et voilà. Donc, les diamants. Du orange. Attends, on va les remontrer comme ça. Orange, bleu, diamant spéciaux, jaune, du vert. Oh, wow, ceux-là sont belles. Des petites argentées. Oh, hein, l'orange est beaucoup plus flashy que le jaune. OK. Un petit rose, un petit rouge, un petit gris-bleu. Et un rouge. Wow! C'est vraiment des belles couleurs qui vont être très utiles pour faire ma banderole d'anniversaire. Donc, je vais les utiliser pour l'année prochaine. Il nous donne aussi ces petits diamants-là de plus à l'intérieur. J'ai un petit rose diamant spéciaux comme ceci. Et voilà! Et des petites perles blanches, mais vraiment très, très blanches, opaques. Et voilà, je suis très contente. Ça va être vraiment le fun à faire, plaisant. Et pour l'année prochaine, ben pour les fêtes, je vais avoir une belle guirlande de Diamond Painting. C'est super génial. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je les trouve super jolies, super chouettes. Puis, ça sera vraiment pas long à faire, là. Je pense que une après-midi, ils vont être tous faits. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 petits items comme ça. Donc, vraiment super chouette, super génial. Merci, EasyWim, d'avoir pensé à des petits DIY version fête. Je suis très contente. Donc, on va les replacer à leur place. Et je vais vous montrer le second DIY qu'il nous offre. Et voilà, dans la petite boîte. Donc, celui-là, je suis très contente parce que j'en avais jamais reçu. Puis, je m'en ai jamais commandé non plus. Donc, c'est un petit carnet de notes. Mais sur la page couverture, on peut mettre des diamants spéciaux dessus. Je suis comme trop contente d'en avoir un. J'ai mon carnet que j'écris mes choses, mais celui-là, regardez-moi ça. Il est beau, là! C'est tous des petits mandalas! Vraiment super chouette! Je suis très contente. Les,
Les dessins aussi sont quand même très bien imprimés. Je suis pas déçue. Mon Dieu, est-ce que ça colle super bien? Je suis quasiment sûre de la réponse, mais on va quand même vérifier. Oh oui! Oh oui, vraiment, ça colle de chez colle. J'aurai aucun problème à me dire si le diamant va tomber ou non. C'est sûr qu'ils vont tomber, fait qu'il va falloir que je les vernisse. Mais vraiment, wow, de toute beauté. Et à l'intérieur, c'est des feuilles un peu jaune. Tu sais, c'est un peu crème la couleur. C'est pas blanc, c'est pas jaune-jaune, mais c'est pas blanc-jaune. Tu sais, c'est une couleur crème. C'est vraiment bien, bisous. Vraiment bien fait, je trouve, avec la petite date ici, le mot qui est écrit « mes mots ». Tu peux prendre tes notes à l'intérieur, des idées de vidéos, n'importe quoi. Tu peux mettre tout ce que tu veux, là. Si, admettons, tu veux te faire un carnet avec toutes tes DP que tu viens de faire, tu peux mettre, mettons, l'image de ton DP, la journée que tu as commencé, la journée que tu as terminé, ainsi de suite. C'est libre de... Libre à tes choix d'écrire ce que tu veux dans ton carnet. Mais je suis très contente. En plus, en version Diamond Painting. Wow! Vraiment cool. Vraiment génial. Et avec aussi les diamants spéciaux qui vont avec le carnet. Et voilà. Donc, ça fait un peu de bruit, hein, ça, quand on les ouvre. Deux tout seuls. Un beau petit blanc et un beau petit rouge. Hey, les deux sont vraiment... ça brille, hein? Ça brille de mille feux. Ensuite, on va recommencer. Ah, ouais, cool! J'ai pas juste des cercles, j'ai aussi plein de formes. Donc, des petites larmes. D'autres petites minuscules. Des petites mauves en cercle, des plus gros cercles. Des rouges aussi plus gros, des petites jaunes dorées, des petites mauves normales, ensuite les petites vertes, les petites bleues turquoises, bleu plus foncé, et un jaune plus jaune-orange. Et voilà. Donc vraiment là... Le superbe carnet, là, je suis très contente d'en recevoir un. Je m'en ai jamais commandé, j'en avais tellement vu sur d'autres chaînes, mais je me suis dit, bon, tu sais, j'ai mon carnet déjà, je m'en rachèterai pas un autre tout de suite parce que, tu sais, je me suis dit, je vais acheter des carnets quand je vais avoir besoin de place pour écrire. Mais là, vraiment, je suis très contente, j'en ai reçu un, puis... Je suis pas déçue du dessin dessus, c'est vraiment beau. Des beaux petits mandalas, vraiment là, wow! Yeah, c'est pas easy whim, c'est easy wow! Et voilà, on met ça de côté, puis on va remettre aussi ça dans la boîte. Et nous sommes rendus aux belles toiles! Donc, des 30 par 40, bien évidemment. Alors, encore dans la catégorie Dragons and Fairies et Surprise Me, surprends-moi. Donc, le premier que je regarde, c'est, je pense que c'est Surprends-moi. Ouais, c'est plus un Surprends-moi. Donc, la petite image comme ceci, mais je vais ouvrir la toile, c'est... Ça va être plus facile, plus simple de regarder qu'est-ce que c'est. Donc, bon, j'ai oublié de me prendre un... Voyons. Et voilà. OK, ici. Mon exacto pour l'ouvrir. Et voilà, on va ouvrir ça comme ça. Encore emballé sur du papier mousse, bien évidemment. Ça, c'est très chouette. Recyclage. On va ouvrir comme ça. Ouh. Le premier collant. Il y en avait juste un, celui-là. OK. Youh. On va tasser l'exacto pour pas me faire mal. Ah,
C'est un papier blanc opaque, pas de dessin dessus. Habituellement, j'ai comme des dessins qui disent le nom de la compagnie. Mais là, lui, il est vraiment un blanc opaque, pas de dessin. Donc, avec la superbe feuille, je vais l'ouvrir pour l'aplanir. Et voilà. On va aller chercher les quatre coins. Premier coin, du blanc avec un peu de vert. L'autre coin, ça va être souvent la même chose, du blanc avec un peu de vert. Et, ah, tout blanc. Tout blanc! L'autre côté. Tiens, on va commencer par ce côté-là d'abord. Ah, du vert avec un petit peu de rose. Ouh! Superbe! L'autre côté maintenant, ça doit être encore du vert. Et oui, du vert avec un petit peu de rouge. Et voilà. Donc, on va regarder la feuille d'indication avec le dessin respectif. Et oui, c'est un dragon qui couvre ses œufs. Et voilà. De toute beauté. Il y a 28 couleurs en tout, avec des chiffres et des symboles, des chiffres et des lettres. Donc, ça va être quand même bien pour faire mon pilulier de celui-ci. C'est un 30 par 40 en carré. Donc, je vous montre ça. On va la placer comme ceci. Je vous tasse un peu. Et voilà, on va la placer comme ceci pour que vous voyez bien l'image. Donc, je vais descendre. Et voilà. Est-ce que je l'ai mis à l'envers? Non, je l'ai mis à l'endroit. OK. Oh, je vais le mettre de même. Et voilà. Donc, je vais la revirer pour que vous la voyez bien. Comme ça. Et voilà. Ah oui, virer de même, c'est bon ça. Oh, wow! Super beau! Les œufs, là, sont débiles! Regardez ça! Ça part du vert, un petit peu de jaune, avec un petit peu de blanc ici, pour faire un genre d'effet éclairé. Puis le rouge. Oh, wow, malade! C'est débile comment qu'il est beau, là! Vraiment, je sais pas ce que vous en pensez, mais oh my God! Il est juste wow! Ah, puis comme encore, mais les dessins sont encore très bien imprimés. J'ai rien à dire. Ça colle encore super bien. My God! Il est vraiment beau. Là, je suis vraiment pas déçue, là. C'est waouh! Il est vraiment beau! Oh my God! Hey, les détails des feuilles, c'est trop cool! C'est vraiment chouette! Waouh! Je suis trop contente! Il est vraiment beau! T'sais, on voit vraiment le détail de ses ailes, là, au dragon, là. Oh, wouhou! Cool! Génial! Je serai pas déçue de le faire. Ça va être vraiment chouette. Vraiment. Je vais prendre ma petite plaquette pour le replacer. Pour pas créer de rivière. Et voilà. Un côté de fait. L'autre côté. On va l'ouvrir l'autre côté aussi pour qu'il soit bien ouvert. Oh! Chouette. Wow! Regardez-moi ça. Le détail de la queue aussi, là, à la toute fin du dragon, là. Oh, wow! Hey, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, là, je suis pas déçue. Je le trouve vraiment beau, ce dragon-là, avec ses petits œufs qui est en train de couvrir. Oh, wow! Et voilà. Une belle toile qui sera très, très chouette à réaliser avec ces diamants dont
ce sera le 37,45. On va aller chercher les diamants de 30. Ah, non, je l'ai trouvé tout de suite. 37,45, c'est ceux-là. Vraiment. Je vais faire le décompte, là, mais je suis quasiment sûre d'avoir tous les diamants. Pour l'instant, en tout cas, avec Easy Wim, je les ai toujours eus. J'ai eu toutes les sachettes. Donc, on va regarder ça, voir si j'ai 28 petits sachets. Et ce qui est plaisant avec eux autres, c'est que tous les diamants sont vraiment dans des sacs Ziploc, comme ça. Ils sont pas avec des petits sacs qu'il faut que tu coupes et que tu mets dans ton pilulier. Ils sont vraiment tous dans des petits sacs Ziploc comme ça, avec leur numéro sur le dessus. Donc, on avait dit qu'on avait 28 couleurs. Puis, les autres, ils commencent à partir du 1. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 18, 19, 28. Donc, je les ai tous. J'ai les 28 couleurs, comme je savais. J'étais sûre de ma shot qu'on les... vous aurez tous. Donc, vraiment de belles couleurs. Le petit vert ici, là, je sais pas qu'est-ce qu'il y a, mais il m'attire, il me titille l'œil. Je le trouve vraiment beau. Super. Les autres aussi sont super beaux aussi. Là, le petit rose mauve là. Génial. Je suis très contente. Les diamants sont beaux. Ils sont quand même bien taillés. Hein. Tu sais, c'est sûr que c'est pas comme du home fun, là, comme je l'ai déjà eu. Mais quand même, sont très beaux. J'ai hâte de faire une toile carrée pour vous expliquer comment ça s'insère dans une toile pour l'instant. Mais pour l'instant, en tout cas, j'ai fait une petite bricole en carré de Easy Wim. Puis j'ai pas été déçue. Donc, j'ai hâte de faire les superbes toiles. Et voilà pour la première. On va mettre ça sur les autres choses. Juste ici. OK. La deuxième maintenant. La deuxième, ça doit être Surprise me. Surprise me. Qu'est-ce qu'ils vont me surprendre? J'ai aucune idée. Aucune idée. Donc. Ah! C'est la même chose que l'autre, hein? C'est une couleur opaque. Oh! Alors, un petit papier mousse. Ah! Plus petit que l'autre. L'autre, il était plus gros. Regardez. Je sais pas si vous voyez bien, là. Mais lui, il est plus gros que lui. Mais bon, c'est pas grave. OK. On va ouvrir le petit pain de colle. Pouc! Et voilà. Et il y en a juste un. C'est bien. On n'a pas trop à enlever. Donc, ah, je sens la feuille, je sens la feuille. Et voilà. Alors, on va faire comme l'autre, on va le mettre à plat. Ouh, du beau mauve. Waouh! Oh, lui va être foncé, hein? Mais c'est pas grave. Ça n'en prend aussi du foncé. Ouh, très foncé! Très, très foncé. Et voilà. Ça me fait penser à une toile que j'ai déjà eue, deux, avec une lune. Mais c'est pas la même chose. Elle est plus grosse, celle-là. La lune, en tout cas, est beaucoup plus grosse. Donc, on va l'ouvrir comme ça. OK. En partant du haut. Jusqu'au bas. Oh, wow! Elle aussi, c'est une fée. Oh, wow! Wow! Oups! Oh non, Stéphanie! T'as oublié. Bon, bravo! À ne pas faire, gang. Juste l'enlever un petit peu. Pas toute, pas toute. Bon, bravo. Va chercher le bout. Va chercher le bout. Et voilà. Puis, mets pas de cheveux dessus. Mais pas bien. Bon, pour l'instant, c'est ça. OK. Je vais l'avoir ouvert un petit peu trop. Je vais le replacer tantôt. Donc.
Dieu vous la place. Regardez-moi ça. Elle est donc bien belle. My God. Hey. On dirait une fée, elle aussi. Donc, on dirait qu'ils m'ont envoyé deux dragons and fairies. Je sais pas vous, là. Mais je trouve qu'ils m'ont envoyé deux dragons and fairies. Mais bon, je suis pas déçue. Je suis très contente. Vraiment. Wow! La lune est hyper grosse, là, comparée à mon autre toile que j'ai déjà eue. Puis la fille, là, vraiment, là, elle est jolie. Elle est superbe. Superbe de chez superbe. Regardez-moi ça. Regardez-moi le beau visage de la madame. Oh, wow! Super! Je suis très contente. Bon, là, il suffit de replacer le papier parce que je l'ai moffé. Mais bon, regardez, vous la voyez au complet. Et voilà. Donc, je vais replacer le papier sans faire... Bon... Sans faire de trouble. Et voilà, j'ai réussi. C'était un petit peu plus long que prévu, hein? Donc, et voilà, toutes les petites bulles. On va les enlever. Bon, il n'y a plus aucune bulle. Tout va bien aller pour cette toile-ci. Donc, on va la mettre de côté et on va regarder les diamants qui vont avec celle-ci. C'est la 37-46. Oh, j'ai oublié de vous dire combien de couleurs il y avait. Ah, oh, méchante Steph. Il y a 25 couleurs en tout. Donc, 25 couleurs en carré. Donc, trouvons l'ouverture pour ça. Et voilà. Donc. Ah, je viens de voir le chiffre 25, donc il y a des chances. Eh mon Dieu Seigneur! Je sais pas si vous voyez, mais il y en a en tabarouette dans celui-là. Le sachet, il est plein. Il est plein, plein, plein comparé à, mettons, à celui-là ou celui-là encore. Tu sais, il y en a beaucoup dans celui-là, mais il y en a beaucoup moins que dans celui-là. Là. Tabarouette! Il y en a du numéro 3, mes amis. Et le numéro 3, c'est... du 161. C'est un petit bleu, mais quand même. Tabarouette! Il y en a, il y en a, il y en a. Les autres sont comme plus vides comparés à lui, quasiment. T'sais, il y a lui un peu, mais il est beaucoup plus plat que l'autre. Là. Donc, vraiment, là, waouh! Celui-là, c'est des couleurs plus foncées, avec du mauve, du très joli mauve, même. J'ai comme trois teintes de mauve comme ça. Oups, il a tombé. Et voilà. Regardez-moi ça, c'est trois teintes de mauve. Mais tout du beau petit mauve violet, là. Violet lilas. Donc, puis les autres, il y a du bleu foncé, du petit gris, du petit beige, un petit pot pour son visage. Donc, vraiment, je suis très contente. Ça va bien se faire, ça aussi. J'ai tous mes diamants. Alors, c'est tout pour la boîte des Wims du mois d'octobre. J'espère que vous avez aimé mes toiles que j'ai reçues. Très, très, très contente de mes petits DIY et surtout de mes deux toiles. Ils sont très, très jolis. J'ai juste trouvé ça bizarre, par exemple, que c'était deux diamond painting de Dragons and Fairies. Mais bon, je vais peut-être envoyer une petite note à la compagnie. Mais bon, c'est pas si grave que ça. Puis si aussi les boîtes des Iwim vous intéressent, je vous ai tout mis les liens du site dans la barre d'infos. Donc, dans chacune de mes vidéos, je mets toujours des petits commentaires dans la barre d'infos ou les sites aussi sur les toiles que je vous montre. Donc, n'hésitez pas à aller la regarder. Il y a peut-être des fois des petits 10% de rabais ou des petites choses comme ça qui est super intéressant. Moi, je vous dis que je suis très contente de vous avoir parmi moi, parmi ma belle grande famille. Je vous adore. Comme j'ai dit, je vous connais pas tous. Hein? Donc, je vous adore. Je vous envoie plein de bisous. Et il va y avoir aussi des futurs... petit concours aussi, là. N'hésitez pas à vous abonner, liker et sur ce, à très bientôt!